Et surtout qu'en fait, je me suis calé sur un rythme où je stream quand, par exemple, Pierre n'est pas là. Parce que bon, Ika, il a repris les streams, mais il stream en après, Mika. Donc en vrai, c'est pas que c'est chiant, mais du coup, on peut pas faire des choses, on peut pas faire des choses ensemble. Ika est dans son coin, il fait sa ferme à slime, on comprend rien là. Il mine 4 milliards de blocs, on comprend rien à ce qu'il fait. Mais c'est vrai que du coup, ouais, faudra que je décale un peu mes jours de Holy Cube. Que je puisse me retrouver avec Pierre ou ce genre de conneries. Autour de prank peut-être. Bah écoute, j'ai passé chez moi, j'ai rien vu. Donc je pense que Pierre n'a pas eu le temps de me repranker de l'autre côté. Parce que je suis passé vite fait hier. Avant-hier, dimanche. Je suis passé dimanche voir du coup sur son stream. Merci Luzalu pour ton 4e mois, merci beaucoup. Je suis retourné. Je suis allé voir son stream. C'est quoi ? Et du coup, il a juste nettoyé. Mais j'ai pas vu grand chose d'autre. Et en plus, j'étais plus sub, donc du coup, je pouvais pas répondre dans son chat. J'avais pas voulu lui dire, bah alors, on a eu une fuite MDR, mais j'ai pas pu répondre. Enfin, j'ai pas pu parler. J'étais en mode, bon, bah je. Yes! Donc, je sais pas. J'ai pas eu de retour. Mais bon, je suppose que tout le monde a balancé que c'était moi, donc. Il va devoir. D'ailleurs, j'ai vu qu'il en a plus chié qu'autre chose hein, pour retirer la flotte. Hein. Mais c'est vrai que, bon, j'ai pas vu de. Enfin, j'ai pas eu d'infos comme quoi il voulait se venger, mais peut-être qu'il va se venger, hein, ce serait bien. Ça ferait un petit peu de... Mettrait un peu de beurre dans les épinards, comme diraient certains. Bon, au bout d'un moment, hein, tu n'es pas VIP. Sur le chat de Pierre, si, mais... Réparer mon ascenseur ? Ou c'est moi qui l'ai réparé tout seul ? Bref. Non, oui, Pierre, enfin. Quand t'es VIP, tu peux pas parler s'il y a un. Enfin. Je sais pas. Je suppose que je suis pas VIP chez lui. Bon. Pas grave. T'as aucun tsunami chez lui. Non, sa planète a commencé à pleurer. Parce que la pollution, tout ça, tu sais, la planète, elle pleure, elle a mal. Et du coup, il y a eu une fuite dans sa cave. Enfin, dans sa zone à coffre. Ah, il a réparé mon... Et du coup, est-ce que ça marche, du coup ? Putain. J'avoue que j'ai utilisé mon ascenseur, genre normal. Ça se trouve, il aurait pu mettre masse de pièges dedans. Je me serais pas posé la question. Et hop ! Marche toujours pas. Bon, alors, voilà. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais putain, j'ai pas regardé, du coup, quand il a regardé le musée. Il en a pensé quoi, ce salopard ? J'ai pas vu ce qu'il en pensait. Bon, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on s'occupe de ce toit-là. Alors, le problème, c'est que déjà, vous savez qu'en build, moi, sur Minecraft, c'est pas incroyable. Mais un autre défaut que j'ai, parce que malheureusement, j'ai beaucoup de défauts, hein, c'est que je ne sais pas faire de plafond. Donc, en vrai, ce que je me disais, c'est qu'on va faire un plafond plutôt simple, un truc tout plat. Vous voyez, on va laisser comme ça. Et au niveau de l'aquarium, on va essayer de faire une espèce de bulle, un truc bien rond, dans lequel on mettra le lustre. Je pense que je vais partir là-dessus. Salut Astro. Objection! Ça va Astro? Ça va le travail? T'as bien avancé depuis que je suis passé. Bah, la dernière fois qu'on a stream, c'était samedi. Et samedi, il y avait plein de bugs Twitch. Donc on a passé plus de temps à parler avec Bazon et à blablater de tout ça qu'autre chose. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément avancé sur le musée. J'ai fait que les murs, d'ailleurs. Donc ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, on fasse au moins le plafond et le lustre. Et qu'on trouve d'autres petits trucs à faire. Ce serait bien. Salut Gabix. Mets une cascade du plafond jusqu'à l'aquarium. Au sol, ça peut être stylé. Non, ce que je comptais faire, ouais, c'était... Bah du coup, on va faire... Alors... Pour le plafond, je pensais faire un plafond vraiment simple. Genre un truc tout gris. Ouais, c'est dans le thème un peu sombre. Un truc gris. Ou alors, je me suis dit... Mais en vrai, en regardant la forme de mon toit, c'est pas possible. En mode, je faisais un truc en vert, transparent. Qui ressortent sur un truc bleu, mais d'ailleurs, le problème, c'est que je pense que j'ai pas assez de place pour faire ça. Donc, je pense que le mieux, ça va être tout simplement de faire un plafond gris, je pense, et de faire la bubule au milieu pour... Oula. De faire la bubule au milieu pour le lustre. Hein. Je t'ai vu dans le chat de Yale. Ouais, parce que j'ai regardé son chat vite fait, et il disait que la meilleure saison de LG, c'était la saison 5, j'étais en mode... C'est vrai que c'est la meilleure saison, puisque c'est la première que j'ai faite, et c'est la seule que j'ai gagnée. Donc c'est vrai que la meilleure saison de LG, c'est celle où j'ai gagné. J'étais plutôt d'accord avec lui. Mais du coup, je lui ai dit, il m'a pas répondu.
Je me suis rappelé que dimanche j'avais essayé de l'appeler pour le congratuler et qu'il m'avait pas répondu. Je me suis dit putain, c'est vrai qu'on est plus amis. Donc forcément, je suis pas assez longtemps. Et la vraie réponse, et la vraie raison, c'est qu'évidemment je devais stream, donc je me suis barré. Je disais que j'ai encore 15 jours minimum à l'hôpital. Et tu nous avais dit d'annoncer ouais, que t'avais encore 2 semaines et qu'après tu rentrais chez toi. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Okay. C'est personne 18G. Donc ouais, je sais pas comment. Je pense qu'on va faire ça en concrete un peu, ouais. Vous voyez, attendez. Hop. Genre soit le toit comme ça, soit comme ça. Et je pense que la concrete grise devrait rendre bien mieux pour le toit. Vous voyez, on aura un toit très sombre. Mais du coup, avec le gros lustre au milieu, ça devrait rendre un effet assez classe. Salut Nam. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Holycube. Le seul serveur Minecraft où on fait un musée, où on fait une pièce d'un musée en 3 streams, voire 4 streams. Après, je dis ça, mais bon, Pierre, hein, sa base, hein. Ça fait 4 mois qu'il l'a commencé. Hein. Moi, fort heureusement, j'ai pas commencé ma base. Donc comme ça, au moins, pas de problème. Je peux critiquer sans faire critique. Il faudra aussi les transitions entre les pièces. Ouais, faudrait que je trouve quelle transition on peut faire, un truc intéressant. Ah, c'est bien avec des minimaps. Non. Non, non, on va rester sur un thème sombre. Hein. Le thème de base du musée, c'est quand même de faire un musée sur des têtes. Hein, donc forcément, c'est vrai que le thème sombre est pas plus mal. Par contre, c'est chiant cette affaire, là. Faudrait que j'achète des échafaudages, hein. Pierre a dit avant les vacances d'hiver. Wink wink. Ouais. Ouais, donc on a le temps, quoi. Quand on bulle simplement, tu fais tout en noir, comme ça on voit rien. Think better, man. Ah bah... Non, mais non, non, le noir, non. Le gris, oui. Parce que le noir, bon, c'est sombre. MacGyver. J'ai déjà dit que j'étais le fils caché de MacGyver. Et de Captain Obvious. MacGyver. Pourquoi je dis MacGyver? Rien à voir. Bon, ma blague est tombée à l'eau. Comme moi actuellement. Alors. Hop. Je suis fatigué. Hein. M'excuserai. Je suis fatigué. Je fais tellement de choses aujourd'hui. Pff, je suis allé faire mes courses. Pff, c'est déjà trop. Non mais il fait froid, merde. Moi le froid ça me fatigue. Hein. Non, non, je cherche pas des raisons pour dire que je suis fatigué, que je suis un glandeur, c'est faux. Vous avez des preuves? Bah non. Pourquoi tu fais pas monter ton aquarium jusqu'au plafond? Parce que c'est dégueulasse. Et pour ça, j'ai prévu de faire un aquarium au sol, hein, pas dans le plafond. Et parce que en haut, j'ai pas beaucoup de place. Parce que vous voyez cette terre-là? Bah c'est la terre quasiment d'en haut, quoi. Et je crois que le sol-là, c'est le sol, ouais, vraiment qui nous frôlaxe, quoi. Donc forcément, c'est complexe. Bon, on va aller chercher de quoi faire de la concrete. Ah, mais attends, je crois qu'il en a plus, Ika. Ah, fuck. J'avais pas pensé à ce détail. Vu qu'Ika, ça fait 2-3 semaines qu'il est pas venu sur les cubes, forcément, ses stocks ils sont vides. Mais vu que monsieur ne s'occupe pas de ses stocks, bah forcément, on n'en sait rien. Enfin, il en sait rien. Donc forcément, il n'y a plus de stock. Bon, il me reste encore un petit peu. Mais en gros, vous voyez, on va faire un toit comme ça. Un petit plafond. Pardon, plutôt. Moi je trouve que ça va bien. Ça va faire très sombre, mais après on aura un gigalustre. Donc forcément, ça va rendre bien. La limite refait le même pattern que ton sol. Non, non mais c'est... Non. Les plafonds en général, ça n'a pas le même pattern que le sol. Hein. Seulement dans certaines pièces, dans certains bâtiments, mais dans la majorité des bâtiments, le plafond il est banal. Hein. Parce que les gens ils regardent à leurs pieds, ils regardent pas en l'air. Et oui les gars, soyez logiques. J'ai mon oral en anglais de demain, je dois connaître le texte de 2 pages que j'ai pas encore lu. C'est facile l'anglais. Trouve le sujet dans ton texte, tu notes que c'est le sujet, et tu gardes en tête tous les petits détails. Tu peux lire vite fait. Tout simplement. Parce que le problème, c'est que je crois que j'ai plus de gravier. Enfin, c'est pas que je sais, je crois que j'ai plus de gravier, c'est que j'ai plus de gravier ni de sable. Donc enfin, je vais devoir faire la conquête moi-même, sauf que bah, du coup, va falloir... Va falloir qu'on aille faire des stocks. Tu connais les échafauds ou pas? Oui, c'est de la merde. Bonne soirée. Mais t'inquiète pas, je connais. Eh, tu connais la dirt en fait?
Oui. Bon bah je crois qu'on va devoir aller vivre notre meilleure vie. Après les gars, vous savez, non, je joue à Minecraft que depuis... Alors, ça fait que 10 ans que je joue à Minecraft, ça, que je connais pas grand chose du jeu. Hein. En vrai, si vous avez des tutos, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que je connais rien du jeu, moi, vraiment. Oh là là, je suis mais rincé au jeu. Hein. Ah, 10 ans, c'est court. Hein. Bah, 10 ans, c'est l'âge du jeu, quoi. Ah non, il a 11 ans. Oui, bon, bah, c'est bon. Quoique, non! Non, NRJ la dernière fois a dit que ça datait de 2011. Moi je ne fais que reprendre les dires que j'ai entendus sur NRJ car NRJ c'est vraiment la meilleure radio. Évidemment, j'espère que vous avez reconnu le sarcasme dans ma voix. Tu es encore en tuto? Hein? Sidi? Je comprends pas quand vous parlez. Des fois j'essaye de prendre vos mots, d'en faire une phrase, mais je ne comprends pas. Même ça j'y arrive pas. Salut Jérémy. Je t'apprends un truc de ouf, quand tu sautes dans l'eau, tu prends pas de dégâts. Quoi? Attends, je vais essayer. Oh, what the fuck, dude! What the fuck! Oh, wow! Putain, mais c'est un jeu qui est tellement développé, Minecraft. Franchement, je suis... je crois que j'ai envie de chialer. Tu connais les MLG? Non, c'est quoi? J'ai une de ces envies de manger un cassoulet. Déjà un an, l'Europilleur, mais what the fuck? J'ai l'impression que t'es arrivé il y a 2 semaines. Oh. Merci le Roupir, merci beaucoup pour ton année de sub. Merci pour le soutien depuis un an. C'est très gentil. Toi, tu peux voir en appuyant sur F5. Oh! Mais qu'est-ce que... Mais je suis un papillon? Attends. Oh, mais c'est fou! Oh, il a fini son camtar, j'avais pas vu! Waouh! Oh, c'est trop stylé ce qu'il a fait. Ah ouais. Ah oui. Ah, y'a... Hey, allez! Hey. Attendez, je vais au plongeoir. Ah. Alors du coup, attendez. Donc si je saute dans l'eau, je vois que alors, vraiment si je saute dans l'eau, je prends pas de dégâts. J'ai peur. Il y a une petite douleur de mon perso, mais ça va. J'ai pas pris de dégâts. Attends, mais c'est propre ce qu'il a fait. Petite plage de paradise. Tu veux mettre ta main à droite, tu sais. Non, ça par contre, ça c'est pas vrai. Ça par contre, c'est pas vrai. Ça, j'ai regardé, c'est pas possible. Fais la même dans la lave, tu vas voir. En plus, t'as jamais essayé. Ouais, trop cool. Hein? Comment ça? Y'a des primes? Oh, il a refill. T'as tout refill? Ah! J'ai mal! Ah, j'ai mal. Et bah, je vais juste lui prendre les... Et je crois qu'on va devoir aller miner un petit peu. Hein. Mais j'ai mal. Un seul, je pense, ça suffit. Tu peux voler en partant de 10 000 blocs, tu ne meurs pas. Ah bon? C'est insane. Oh, j'ai ma prime aussi. L'état Pera. Yes! Merci l'état. Yes! Moi aussi j'ai le droit à ma prime. Et si mon magasin se meurt? Si je regarde là-dedans. Si il me reste un peu de gravier. Il me reste un peu de sable. Ah, c'est là que le bas blesse. On va aller chercher. Bon, 4 stacks de sable, ça ira bien. Sur l'ironie, je vois que c'est parti en couille. C'est toujours comme ça ici. Hein. Enfin, quoique en général, non, je fais des streams très sérieux. Vraiment, on rigole pas, on est juste vraiment full focus sur le jeu. Mais bon, là aujourd'hui, un petit brin de folie, pourquoi pas, de temps en temps. C'est vrai. Tu peux tuer des gens avec ton épée en spammant le clic gauche. C'est bizarre, ça marche pas. Ah non, je spammais le clic droit. Je suis désolé. Je suis désolé, je voulais pas faire ça. C'était cringe. Est-ce qu'il y a du... Ouais, il y a un désert à côté. Enfin, pour aller au désert. Attends, t'as les clics inversés? Ah non, astro, pas du tout.
Ça devient nul, tu fais des blagues. Je suis désolé. On va se concentrer sur le gameplay directement. En passant par la porte de World of Warcraft. Tellement concentré sur le jeu, tu avances trop vite. Ah bah c'est ça. Hein. En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, là j'en suis à mon quatrième musée en fait. J'en ai fait trois autres déjà, mais je vous les montre pas encore. Parce que je garde un peu la surprise. En vrai, attends. Pire si je prends du sable ici. Il en a besoin de son sable ici, Magic? Je pense pas, hein. Non, en vrai, j'ai pas envie de niquer le décor. J'ai pas envie de niquer le décor de Magic. Avec la tête dedans. En fait, je fais un musée par catégorie. Donc en fait, il y a 14 musées qui vont être faits. Bon, là on est actuellement... En fait, j'ai déjà fait les deux prochains. Là, en fait, je suis encore au premier. Je fais genre, je galère, mais... C'est pour le divertissement, vous savez très bien. Ici, c'est full travail, full sérieux. Le travail. Mais bon. Des fois, faut faire des blagues de temps en temps, parce que bon... Internet marche comme ça, hein. Si seulement Internet était plus intelligent, on pourrait parler de choses plus intéressantes, peut-être que les échecs, ou encore la politique. Mais bon. Non, Internet, il faut faire le con, c'est comme ça. Je trouve des bonbons goût chocolat et cassoulet. Tu peux répéter ? Chocolat et cassoulet. Mais c'est quoi c'est... Comment tu... Mais il est où le désert? Bah il est là. Comment tu donnes un goût de cassoulet? On va parler de nos échecs personnels. Hein. Bah après... c'est votre vie, on s'en fout un petit peu quoi. Le plus important c'est moi quoi. Putain, rien que dire ça vraiment j'ai honte mais bon. Divertissement avant tout. Hein. Le plus important c'est la vie du streamer, pas la vie des viewers. Hein. Vous n'êtes que des chiffres, finalement. Ouh! Ça va, je rigole! C'est... Il veut quoi, lui? Il veut du pain? Putain, what the fuck? Dans le jeu, il y a des... Attends, mais c'est des gens qui sont très mal nourris, ça. Des gens qui sont assoiffés pour avoir une haleine aussi forte. Bonjour, je suis numéro 12. Let's go! Tout le monde choisit son petit numéro. Allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, je vous nommerai par votre numéro. Non, c'est mort, je retiendrai jamais tout. Il y a les deux goûts séparés et les deux goûts mélangés. Non, mais comment tu fais un goût de cassoulet? Parce que c'est un goût d'haricot en fait. C'est un goût de haricot et de saucisse. J'en ai un peu trop. Mais c'est bon. Hop, avant qu'on tombe en rade. Et on se demande. Ça a le goût de paix. Putain, l'humour en ce moment, il se fait matraquer à la machette. Hein. Pauvre humour qui a rien demandé. Et hop! Sur racine carrée de 2. Eh ben. C'est le 69 qui a été choisi 4 fois. Mais bien sûr, les gens ont un humour, j'allais dire déplorable. Non, au contraire. Un humour légendaire. Légendaire! Et hop là! Je pense que j'en ai assez. Ah, j'ai plus ma source d'eau, c'est vrai, je l'avais retirée. Quel enfer, la vie. C'est pas du fer quelque part hein. Non. Non plus, non. Non. Non, bah là, ouais, mais c'est des blocs. Là-dedans, peut-être. Alors, peut-être. Let's go. Je vous prends un peu de flotte à... Merde. J'ai niqué la source d'eau. Oula, pardon. Je joue trop à Pixelmon, à chaque fois j'oublie que ça va vite. Ça peut aller très très vite. Allez, c'est parti. Il prend au niveau moléculaire l'odeur du cassoulet. Du cassoulet AIT. Donc du cassoulet avec du lait, bien sûr. Remet le goût avec du sirop composaire de tous les éléments chimiques trouvés. D'accord. Ok. Malaise.
crois que j'y vais un peu trop fort avec les damage. Ah, si elle est skid pour ton 25e mois de soot. Enfin, de modération, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu fais de la modération? Et t'es 2019, donc un an et demi? Eh ben. Quel travail. Ah, c'est une bosseuse, hein, vous savez. Mais arrête! Mais ça suffit des conneries! Un peu moins, je crois. Ah oui. Bah, je sais pas. Il y a trop de puissance pour ça. Non, c'est juste qu'il y a le hast. Et le hast, il casse tout. Surtout les couilles. Pardon. Ah oui. Allez, on y va. Comment va Lilith? Actuellement, adore. Et plus tard, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que sinon, en ce moment, Lilith. On sait que les chats, c'est connu pour être très mignon et très agréable. Hein. Bah, j'aurais. Peut-être envoyer un message quand même au petit Larousse ou à des dictionnaires pour expliquer que les chats, c'est pas vraiment ça. Enfin, le mien en tout cas. C'est vraiment. Vraiment, l'élite, c'est autre chose. Hein. C'est. Ouais. Ouh. Mais beau bordel. Mon chat. Ou du nazien. C'est bizarre, d'accord. Tu connais les étaphodases? Oui. Mais alors pourquoi tu. Parce que j'ai pas envie. J'aime bien sauter. Sauter fortement, lentement, agressivement, rapidement. J'aime sauter. Comment on va faire le milieu du coup? Parce que. Faudrait que j'y pense maintenant. Donc le milieu c'est ça. Le milieu c'est ce truc là. Et du coup il faudrait que. Il faudrait qu'ici j'arrive à. Peut-être gratter deux de hauteur. Enfin deux de profondeur. Parce que là, si on fait un lustre de cette taille, c'est petit, non? Ouais. Faut en rajouter un. Ah, finalement, j'aurais peut-être pas autant besoin d'autant de gray concrete. Ouais, je vais vraiment être à la limite, quoi. Faut se dire que le lustre, on le fait là-dedans, quoi. Alors après, faut qu'on arrive à faire un truc rond avec ça. Comment on peut faire ça? On fait un truc banal ou juste on fait ça? Ah bah non, du coup, ça... Ou alors, justement, vu qu'on n'a pas une salle ronde, on peut faire un truc comme ça. On peut faire un lustre en pilule comme ça. C'est très bien. Du coup, c'est pas très... Ah non, c'est parce que j'ai remis. Je pense qu'on peut faire un lustre comme ça, ça peut être pas mal. Donc il faudrait qu'on remplisse tout le reste. Moi aussi, j'adore sauter. Mais je me doute bien. Qui n'aime pas sauter? C'est physique. C'est bien si tu veux faire du sport, de sauter. Ah, ok. A plus vite en fait. Non, bah ouais, pour faire une forme pilule comme ça pour le lustre, ça peut être pas mal. Si on avait une pièce ronde, on aurait fait un lustre rond, mais là, bon, c'est pas le cas. Dans quelques kilos.
Bah si tu fais de la corde à sauter, du saut de haie, ce genre de choses. C'est bien pour le corps. C'était dans le nord, on connaît. Ah bah, en même temps, que tu sautes au nord ou au sud, c'est pareil. Hein. Enfin, ça dépend à qui tu le fais. Il y en a qui sont plus famille que d'autres. Hop. Bah, je pense qu'on fera le gros lustre, mais on va quand même mettre des petites lumières ici et là au plafond. On est pile en violet. Hein? J'ai pas la ref. Sorry, je ne comprends pas vos blagues. Saute. Mais personne, on saute du saut. Ah mais vous pensez au... Ah ouais d'accord. Ah ouais non, vous êtes vraiment des pervers en fait. Ah c'est chaud. Ah ouais. Il y a pas que ça dans la vie en fait, hein. Il y a aussi l'amour, hein. Et le sport. Hein. Merci Servine. Pourtant c'était moi. J'ai vu ton message sur Discord, je t'ai pas encore répondu mais... J'essaierai d'y penser après. Que je vais pas pouvoir t'apporter grand chose, hein, Sirène, je te le dis. Hein. Refill! Refill! Salut Ryan. Ils vont bien les poissons, ils vont bien. Ils ont pas de cerveau, mais ils vont bien. C'est bien le serveur, il commence à y avoir du monde. Dit le mec qui vient deux fois par semaine. C'est bien, commence à avoir du monde sur le serveur, on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul. Non mais écoutez, faudrait qu'on trouve un projet à faire avec Pierre, Pierre et Kao d'autres. Un peu comme on a fait pour la ferme à Witch. Des petits projets à la con comme ça. De stack ça devrait suffire. Hop. Non oh bah oui ce sera largement suffisant même. Oh il y aura des réserves au pire. Puis vous savez quoi, vu que je suis un good guy, les trois qui me restent je les mettrai dans le magasin de Ika. Comme ça il pourra se faire des thunes. Et vu que j'en aurai besoin pour les autres pièges, je repartirai les acheter. Comme ça du coup thunes gratos pour Ika. Une Lada géante au rayon de la Sainte-Fried. Bah on a déjà fait une Lada, donc faudrait qu'on trouve une autre idée. C'est pas forcément des pranks, y a pas que ça dans la vie vous savez. Puis vous savez bien que mes idées de prank, elles sont pas ouf. Hein. Bien que mon idée était nulle, mais Pierre, il a galéré pour nettoyer. Donc d'un côté, c'était plutôt gagnant. Hein. Finalement, c'était plus gagnant qu'autre chose. Hein. Hop. Ah, ou alors, attends. Est-ce que ce serait pas mieux que je fasse le contour du lustre en demi-dalle de Blackstone? Comme ça, on garde la délimitation. Ouais, ce serait peut-être mieux. Bon, j'ai fait un stack pour rien, quoi. On va faire ça, c'est bien. Hop. De pierre en milieu, c'est bien. Dans un musée, ça fait art moderne. Mais c'est pas prévu que je fasse des. Pas prévu que je fasse. Désolé. C'est pas prévu que je le fasse. Voilà. Voilà. Ah, tu parles de ça? Ah, mais ça, oui, c'est de l'art abstrait, bien sûr. Bon, de toute façon, on est ici, on est art abstrait. Art abstrait, c'est tout, hein, vous savez. Ouais, on fait les choses bien ici. Ouais. Je vais être en rade de Blackstone, moi. Moi en rade de Blackstone. Ah putain. T'as quoi une équipe belge ou Twitch Rivals? Bah j'en sais rien, je suis pas belge. Fais une pub Melios avec Avi Pierre, mais si tu es industrie, tu vois le mec. Dis soit tu veux prendre le bus tous les jours, soit tu veux prendre une Lamborghini. Ouais mais c'était marrant au début, mais maintenant je sais pas si ça vaudrait la même chose, les nazis, je vais pas te mentir. Mais merci pour les 208. Et Jackie, il va bien. Pas eu de nouvelles depuis un petit moment, donc ça m'inquiète un peu, mais...
De ce que j'en ai compris, il a fêté Noël. Mais j'ai pas eu d'enfant, malheureusement. Merci Baby Doll pour ton 13e mois de sub. Merci beaucoup. Et Banani, bien sûr. Banani. Ouais. Eh ben, on part chercher de la Blackstone. Hein. J'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai pas de Blackstone. Moi, le mec au... 348 000 Blackstone nominés, j'ai plus de Blackstone. C'est une honte. Je suis une honte pour la profession, je pense. Vas-y, on va passer. On va reprendre. Salut, j'ai d'autres quoi. Ça représente bien la place des femmes dans la société. Hein? On est où, là? Alors, j'ai lu ce message, mais je n'ai plus le sujet. Du coup, c'est très bizarre dit comme ça. Salut, Craftish. J'espère que j'en ai un petit peu en réserve, parce que si j'en ai pas en réserve, faudra que j'aille directement à la ferme à... La ferme à Piglins qu'on a. Pour pas que je tape trop dans mes réserves, parce que j'ai déjà plus beaucoup de réserves au magasin. Encore salé, il y a eu une petite pause puisque Magic était pas là. Mais là, Magic est revenu, à mon avis, je vais devoir racheter des stocks pendant des heures. Pas plus trop. Oh, tous ces gens qui vont se coucher pour aller apprendre. Oh, je vous jalouse un peu. Non, c'est faux. Et il me reste plus que 4 shulkers. Magic, il va arriver à faire... Oh bah hop, il va tout prendre. Ok, ça va, j'ai des réserves. En vrai, je vais l'amener. Parce que j'en aurai besoin pour les autres salles. On parle de l'art moderne. Ah, l'art abstrait comme les femmes. Hein, c'est... Waouh. Vous avez une vision de la vie assez compliquée. Hein. Je me couche à 22h, encore 20 minutes à me supporter. Bah écoute. Ah ouais, vous savez, le mieux pour vous et pour moi, c'est que vous regardiez le stream et que vous vous endormiez en regardant le stream. Parce que comme ça, vous comptez pas comme un viewer AFK. Donc, les vues sont les mêmes. Donc, les pubs sont très... Donc, si vous voulez un tutoriel, n'hésitez pas à faire ça. J'aurais plutôt la société de consommation plus... Ah, on arrête. Hop, fini. Vous gardez ces débats-là chez Pierre. Entre subs. Ici, nous sommes... Voilà. Avec des gens de tous horizons. Et il y avait de la Blackstone ici. C'était sûr, en fait. C'était sûr, en fait. Mais j'aurais besoin de Blackstone pour le reste, de toute façon, donc... Ça, c'est agréable. Un ascenseur qui fonctionne, ça, c'est agréable. Alors, paf. Voilà. Et du coup, à partir de ça, on pourra faire notre chandelier. Ok. Donc déjà, le mieux... Enfin, ce qui serait bien, c'est qu'on mette, du coup, des chaînes pour tenir le chandelier. Et il faudrait que je mette tout ce qu'il y a là à l'intérieur, il faudrait que je le change en concrete grise, hein, déjà. Parce qu'on va sûrement le voir. Non, je dois recevoir mes cours informatiquement, mais les profs sont encore en vacances, j'ai l'impression. Pas mal. Vaut mieux ça qu'autre chose, finalement. Tu sais quoi? Vu que là, il y a des... Non. Ah! Mes genoux. Vu que là, on a mis de la Blackstone, on va mettre de la Blackstone aussi en haut. Au secours. Petits détails toujours. Hein. Toujours les petits détails. Voilà. Et du coup, tout cet intérieur-là, du coup, il faut le changer en concrète.
Paf, paf. Non, mais j'ai raté aussi là-bas, en fait. Voilà. On y arrive. C'est les détails qui font la différence. Bah surtout c'est des trucs qu'on va voir, donc autant bien les faire. Je me disais aussi. Voilà, donc ça c'est le. Ça va être le dôme. Et du coup, là-dedans, il faut qu'on fasse un lustre. Et finalement, ouais, c'est quasiment la taille de l'aquarium, un peu plus petit. Non, ça rend bien comme ça le toit, j'aime bien. J'aime bien comme ça, comment ça rend. Sur les bancs à pierre, ça fait longtemps. Ouais, bah je l'ai pranké samedi, ouais, donc forcément, ouais, ça fait longtemps, j'avoue. J'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas pranké, ça fait exactement 3 jours. Putain, c'est ouf. Le temps passe si vite. Tellement grandi depuis. Je vais vous lustrer la salle, moi, vous allez voir. Je vais te la lustrer, cette salle. Ok. Donc. Au niveau des placements des chaînes, je pense qu'on va faire ça. T'as un de plus. Et après, ce qu'il faudrait, c'est justement faire des chaînes ici et là. Pour faire un espèce de côté RP où on maintient comme il faut le chandelier. Un truc comme ça. Et après on l'entoure de... On met masse de... Alors du coup on fait un lustre en quoi? En silanterne? En silanterne ça peut être pas mal. On peut même le baisser un peu plus. C'est vrai, si je mets des trucs genre là, des silanternes ici. Ouais, c'est un peu collé. Oh, on va descendre encore un peu. Je suis avec le colonel de moutarde. Putain, vous avez des refs les gars. Insane les refs. Ça fait de l'argent avec les VOD? Ah non, pas du tout. Les VOD ça m'apporte rien du tout. Les VOD c'est vraiment pour le plaisir de garder des trucs. Mais ça m'apporte que dalle. Et en vrai je pense que le mieux c'est ce serait peut-être de garder le pattern. Là, le pattern qu'on a fait là. Je tente des trucs, hein. Vous me connaissez. C'est avec moi et les trucs stylés, c'est pas vraiment fort. C'est pas vraiment mon fort. Bah, du coup, c'est peut-être un peu trop bas maintenant, non? Petite ring light comme ça, en forme de cock ring. Parfait. Parce qu'après je voulais faire ça. Mais du coup. C'est après genre passer à ça, vous voyez? Genre descendre comme ça. Et du coup. Ça va faire trop bas là, on se le prend dans la gueule là. Bam! Ouais, faut remonter. Ouais, bah je vais remonter finalement. Alors remonter d'un, il est trop bas maintenant. Si on veut avoir du bulle de fût mental, on va voir chez Roi. Mais en plus, Roi, il a streamé cet après-midi. Après, c'est que Roi, il stream l'après-midi, forcément, puisque il a une vie de famille. Hein. Comparé à moi. En mode œil avec les Shroom Light. Bah, après, je sais pas comment tu veux mélanger plusieurs blocs de couleurs pour que ça fasse un truc stylé. C'est compliqué, non? C'est compliqué de faire un truc stylé. Avec plusieurs lumières. La plus, c'est la diablesse. Merci de passer. Ça, en vrai, on peut peut-être le laisser bas comme ça, mais c'est vraiment ce qu'il y a sur les côtés, en fait. C'est ceux-là. Ça, il faut vraiment laisser un de... Voilà. Et faire ça comme ça. Voilà.
Comme ça, on garde cette idée. Ouais, je sais pas, on va voir. Je vais déjà refaire comme je voulais faire. Et de toute façon, j'aurais pas assez de 6 lanternes, donc faudra que j'aille en chercher. Ah, et Pierre, j'espère que t'as ton armure en vente. Parce que je vais devoir aller à la ferme, mais bon. Après, au pire, là, justement, on peut peut-être remonter sur ces côtés-là. Est-ce que ça rendrait bien si je remontais ça? Ça aurait pas trop de logique, en vrai. Par si je remplis là, comme ça. Comme ça, peut-être. Ouais, non. Il faudrait des demi-dalles de lumière. Ouais, à quand les demi-dalles de glowstone ou de... ce genre de conneries. Much. Bah c'est vrai que c'est mieux de voir le chandelier, de voir l'intérieur du chandelier quoi. Enfin l'intérieur du chandelier. Ça rendra mieux je pense. Et là si on garde cette forme là, hop. Je trouve que ça rend bien. Faudrait juste que j'arrive à trouver comment rendre ça encore mieux. Déjà, le terme de médaille est banni par la Convention de Genève. Ah non, j'ai un passe-droit officiel. J'ai un passe-droit officiel sur ce terme. C'est vrai, déjà, quand on arrive là et qu'on voit... Moi, je trouve que voir le haut comme ça, c'est stylé. Ça apporte pas grand-chose, mais j'aime bien. Ça me dérange pas, moi, j'aime bien. Les chaînes du chandelier sont reliées à quoi? Bah, au plafond. Tout simplement. Après, si vous voulez, on peut faire des détails en mettant des blocs un peu plus résistants pour faire genre... Enfin, qui font plus résistants pour faire genre, c'est mieux. Si tu fais un anneau avec des trappes en iron. Après, de toute façon, je pense qu'on va mettre, on mettra des trappes en spruce autour. Mais du coup, là, c'est l'inter... Bah, attends, du coup, ça, on peut... Ouais, non, j'allais dire ça, on peut le remove, non, en vrai... Du coup, si on fait ça, est-ce que c'est accepté ou est-ce que c'est dégueulasse? On va y passer du temps, hein, je vous le dis. De toute façon, si vous venez souvent sur les lives, vous savez comment ça marche. Je pense, moi, je vais m'amuser à faire un lustre trop dur. Hein, parce que de toute façon, je sais pas les faire, donc. Faudrait que ça rentre bien, quoi. Des trappes violettes ou bleues? Un goût de vomi au fond de la bouche, actuellement. Allez Pierre, j'espère que t'arrives file. Et se lever un levier qui tire le ring. Faut pas faire ça malheureusement. Ce n'est pas possible. Ah. Faut peut-être ne pas coller les deux anneaux. Laisser un espace de 1 entre les blocs. Ouais mais ça fait pas chandelier du coup. Enfin, du coup, ça ferait très bizarre. Parce que pas de faire trop tape à l'œil. Bah, c'est pour ça, faudrait que je trouve un truc pour peut-être calmer un peu les ardeurs. Mais déjà, mettre les trappes d'or, ça va atténuer pas mal. Hein. Attention, tous en cœur. Oh, tu dégoûtes, Pierre, tu dégoûtes. Ah, mais si, il en reste deux, c'est bon. 2 diamants de stack. Ben, grâce à ma prime Olicron. Je prends un stack. Non, c'est pas Diggy Diggy Hall. J'ai envie de crever, papa, balapala. La vidéo la plus vue de YouTube. Au pire, t'as les lanternes bleues. Bah, les lanternes bleues, je pensais en mettre justement sur les contours. Pour ajouter un peu plus. De toute façon, c'est une grande pièce, il faut à balle de lumière. À balle de lumière, chef. Oh ! Ça va. Tout va bien. Oui, c'est Baby Shark, la vidéo la plus vue de YouTube. Pour ça, j'ai envie de crever. Il y a des jeux tout petits à mettre dans le bain, Baby Shark. Oh bah si, avec ça. Les bonnies.
Salut Yann. Faites-moi penser à regarder mon coffre à l'extérieur à chaque fois parce que j'ai des trucs. Ça m'éviterait de devoir dépenser des diamants. Attendez, je vais finir déjà l'idée que j'avais. Elle sera pas forcément très bonne, mais c'est juste pour voir. Juste pour me donner un avis, en fait. Parce que du coup, on fait ça. Et après, du coup, bah ça. Ça fait... bon, déjà la première critique qu'on peut faire, c'est que c'est trop compacté. Faudrait trouver un truc pour décompacter tout ça. Mon frère a reçu pour Noël un requin qui chante Baby Shark en boucle. Sauf qu'il l'a mis dans son bain. Maintenant, il fait Baby Shark en e-rape. Trop stylé ! Aussi. Du coup, Baby Shark premier degré dans le métro pour aller au taf. Ouais, pareil. Mais version métal, moi. Baby Shark. Non. Oh la vache. On peut rendre ça peut-être moins massif. Faudrait que j'arrive à intégrer peut-être du bois dedans ou un truc comme ça. Déjà, le cock ring principal est bien. Je pense que le cock ring de base rend pas trop mal. Après, oui, il y a Baby Shark dans Just Dance, ouais, je sais. Je l'avais vu, ça. C'est vrai que c'est lourd, hein. Quelle danse. Baby Shark, tu. Après, si on fait que ça et à l'intérieur on met du bois, comment ça peut rendre? Slaps qui traîne. Non, putain. Ah! Pourquoi tant de haine? Que ça plus bas? Vraiment plus bas, ce serait mieux? Si on reprend ça et qu'on termine ça, peut-être. Bah, ça fait trop plat. C'est bien le problème. C'est que maintenant ça fait trop plat. Bah là, j'ai l'impression que ça fait lampe de billard. Là, ça fait lampe de billard. Ça fait pas. Ça fait pas éclairage, quoi. Longtemps que je suis pas venu pour du Lécube. Bon, ça fait longtemps que t'es pas venu tout court. Alors, ajoute des N-Rod. Déjà, je me demande si les 6 lanternes, c'est pas une erreur. Est-ce qu'il faudrait mieux pas partir sur des Shroom Light? On passe les lampes intérieures des côtés par des escaliers. Est-ce que ce serait pas mieux? Ah, baisser le milieu d'un, c'est pas bête, ça. On peut voir. En fait, ce truc, c'est que la 6 lanternes, c'est bien parce que ça fait vraiment très... Ça fait gros éclairage. Tout le reste, on a... La Shroom Light, le problème, c'est que... Même si ça éclaire de la même manière, je trouve que ça fait plus discret. Vous voyez? Alors que la 6 lanternes, ça fait vraiment éclairage blanc, néon... Néon, t'es au comico, quoi. Déjà ça rendrait bien, ouais. Après le truc, c'est comment tu fais pour... Comment on relie du coup le reste? Bah en vrai, si je fais juste ça... Comme ça. On dirait un rubis. On dirait un peu un rubis. Enfin, un rubis. Dans le sens Zelda. Non. Fuck no. Il y a un truc qui me dérange, je sais pas si j'arriverai à l'expliquer, mais il y a un truc qui me dérange. Déjà ça, en vrai, on peut peut-être mettre ça à la place. Mais non, mais du coup non, ça fait la même connerie.
pour la peine, si je prends comme ça, je retourne regarder la rediff d'Antonelli sur Phoenix Wright. Moi qui voulais être sympa en faisant une petite pause alors sur ton stream. Wow! Ah donc maintenant tu vas chez Anton Daniel, bah super. De mieux en mieux, Bonnie, super. Bah vas-y, va regarder ta VOD. Après il est en live là. Ça fait trop et pas assez. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça gêne quoi, c'est gênant. Après, est-ce que ce serait pas... Ah, heureusement que vous êtes là, je vais même chez Chifano, c'est Chifano. Ah bah super, bah fais comme Killaos, vas-y hein. Super. T'es trouvé la chaîne hier. Incompris à ce cadre. Parce que t'as foutu des blocs de pierre en plein milieu. Non mais oui mais ça... Non mais en fait c'est bien comme ça mais il manque un truc. Et j'arrive pas, enfin... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Est-ce qu'il y a un Yaka de chaque côté? Ouais, parce qu'après ça part là-bas, donc ça c'est pas dérangeant, mais... Fukeno, pas Sifano. Ça va, j'ai ripé. Ça arrive à tout le monde, non? Ça retirait de la profondeur le monocouleur de lumière. Ouais, mais... Faire ça, par exemple... Là c'est typique à l'œil de sourd. ça rendra bien mieux en Shroom Light. Hein. En vrai ça rendra tellement mieux en Shroom Light. J'ai trouvé la chaîne rouge hier, non. Non, non. Je pense vraiment que ça rendra mieux en Shroom Light et puis on aura le même thème que sur les murs. Hein. Je pense vraiment qu'on va devoir partir là-dessus. Hein. La glowstone c'est pas beau malheureusement. C'est triste à dire mais la glowstone c'est pas beau. Non, Shroom Light je pense que ça rendra mieux. Hein. Demande des avis un Auré. Des avis un Auré, la nouvelle émission d'Aurélien Sama. Non, je pense qu'on va changer ça en Shroom Light, ça rendra bien mieux, ça restera dans le thème de la salle. Hein. Déjà ça peut déjà faire du bien. Après faudrait que je vois comment... Je pense qu'on peut faire peut-être un lustre en mélange de Shroom Light et de dalle. Pardon, demi-dalle. Faudrait voir si ça peut rendre bien. Genre un truc comme ça, vous voyez. Tac. Après, du coup, on laisse... Enfin, peut-être pas celui-là. Mais peut-être des dalles ici et là. Pour couvrir un petit peu. Déjà, on va aller chercher... Qu'est-ce qu'on essaierait ? Au fond de cette demi-dalle. Papalapala, attendez, je vais dégager tout ça. Bah ça, du coup, ça peut aller là. Hein. Ça, j'ai plein de stacks qui traînent. Let's go, les achats pour rien. On dirait moi IRL. Tac, tac, tac. On récupère. Là. Non, c'est pas cette shulker-là. Mais où ma shulker ? Ah, j'ai laissé en bas. Ça coupe la lumière des demi-dalles comme ça. Ouais, non mais justement, ouais, c'est ce que je me disais. Faudrait que je trouve peut-être un style pour rendre ça bien. Alors, elle est où, ma... Elle est là. Question existentielle, demi-dalle ou dalle ? Demi-dalle. Demi-dalle, c'est Fanta qui l'a dit et Minecraft l'avait à la base. Donc, malheureusement, sous la pression, ils ont dû remettre comme avant, mais enfin, à la base, c'est demi-dalle. Donc désolé, mais ça restera demi-dalle, vu qu'à la base c'était ça. Ouais, ça c'est, tu peux pas redescendre ici. Hein. Ah, si, nice, tu peux. Et je viens, je vole tout. Hop là, ça c'est à moi maintenant, c'est à moi. Hop là, allez hop, allez chez, à moi. Hop là, ça c'est à moi, c'est à moi. Donne la lumière. Eh, donne. Tombe. Eh, tombe. C'est pas logique. Mais Minecraft l'a dit.
If Minecraft says so, so the real réponse is the real world is the middle. Avant c'était half slabs. Bah j'y peux rien. Minecraft a raison. Ils l'ont changé sous la pression populaire. Mais je ne me laisserai pas faire par ce patriarcat. Pardon. Excusez-moi. Je vais parler de Fuse au début depuis cette tier list. Hein? Pourquoi? Mais je m'en fous, hein. Dis-toi qu'à la base, pour moi, Fuse, vu que c'est mon ancien logo, je suis en mode, mais à quel moment tu veux qu'ils connaissent, ils sachent que c'est moi? Donc pour moi, à la base, j'étais en mode, ben, il va juste me mettre dans je ne connais pas, et ça aurait été totalement logique, en fait. Vu que c'était mon ancien logo. Parce que Fuse, le seul rapport qu'on a avec Fuse, c'est qu'on se follow sur Twitter, mais c'est tout. Donc mon ancien logo, il le connaît pas, il en a aucune. On a aucun, toi, il a aucun moyen de savoir que c'est mon ancien logo. Donc c'est bien, au moins ça, on a rigolé, il a dit que c'était truc de Ninjax, donc on a rigolé de ça. Mais à la base, clairement, il est pas censé savoir ce que c'est mon ancien logo. Hein. Surtout que c'est un logo que j'ai plus depuis facile un an. Donc bon. Et encore depuis non, même plus longtemps que ça, puisqu'avant j'étais sur le logo qu'avait fait une ancienne vieuse qui s'appelait Hélicoptère. Pour vous dire, ça date, mais d'un point. Ça date tellement. Donc bon, c'est tout. Mais sans Fuse, j'ai rien contre lui. Hein. C'est lui qui avait fait le logo. Oui, à l'époque. Ouais. Pas celui que j'ai maintenant, mais encore avant. Oh, t'es toujours représenté avec des cheveux bleus. Non, avant j'avais pas ça. Avant j'avais. Alors attendez. Bah ceux qui ont vu le. Nice. Alors attendez, mon ancien logo d'avant, si je le retrouve dans mes images, je suis pas sûr de l'avoir ici, mais normalement, y a pas de raison. C'est la fête. Merci beaucoup Blunkiss pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Ça m'a grindé le nouvel an pour toi. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Mon ancien logo avant, si vous voulez, c'était ça. Ah non, pardon, non, c'est pas la bonne image, pardon. Non, ça c'est, non. Ancien logo, c'était. Merde, je l'ai pas ici. Ah, si, là, voilà. Ça, c'était mon ancien logo. Attendez, je vais le zoomer un peu. Bon, il est pixelisé, hein, mais. Voilà. Mon ancien logo, c'était ça. Et si vous regardez dans le chat les badges d'abonnement. Regardez. Vous voyez pas une similarité? Voilà. Pour ceux qui voulaient avoir une base sur d'où viennent le truc des logos, enfin le logo des abos, là ça vient de là. Et ça c'était mon logo depuis, ça fait 10 ans que j'ai ce logo. Hein. Et pour vous dire, j'avais fait un tweet sur ça, mais ce logo, je l'avais pris. Ne montre pas tout. Oui, vous avez vu des images bizarres, mais écoutez, ça date. La photo, par exemple, de lapin que vous avez vue, ça date. Ça date de très longtemps. C'était à l'époque où il voulait avoir son accréditation pour la PGW. Voilà. Vous avez des infos comme ça. Alors, attends.
Papala. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, mode. Montre pas tout. Non, mais ça va, j'ai rien à vous montrer de spécial. Si je le retrouve, peut-être. Bah, ça va être un an que je le retrouve. Mais en gros, c'était un mode sur. C'était un mode à l'époque de la sortie des Enderman, pour vous dire. C'était un mode qui empêchait les Enderman de prendre les blocs. Ah bah je crois que je l'ai. Ah non, c'est pas celui-là. Dommage. Attendez, je vais le retrouver. Ça va se retrouver. Mais je sais que j'en avais fait un tweet à l'époque en plus. Ça peut-être ? Non. Bon, je vais pas le retrouver, je crois. Dommage. C'était lapin le mec. Oui, c'était lapin. C'était à l'époque. À l'époque, je vous ai dit de la PGW 2019. À l'époque de la PGW 2019 pour l'accréditation. Par contre, il y a des trucs là-dedans, ouais. Putain. C'est vrai que j'y ai pas souvent dans ce dossier, mais putain, il y a des trucs. Je sais pas pourquoi ça existera encore ce truc. Putain. Mais après, ouais, voilà, mon logo, ça a été le clin d'œil. Il me semble... Ah non, c'était pas hélicoptère. Non, le logo que j'ai maintenant, j'ai eu... Celui que j'avais avant, c'était hélicoptère, mais celui-là, c'était... comment il s'appelait déjà? Merde. Entrée. Comment il s'appelait déjà? Mince. Hélicobit. Putain les gars, vous avez un humour ce soir, même Carambar ils font mieux pour vous dire. Va falloir vous reprendre les gars. C'était... Merde. J'ai plus son nom. Dommage. Bref, c'est un logo que j'ai depuis longtemps, mais ouais du coup au tout début j'avais ce logo là. Attends, je vais essayer un truc. Ah, c'était Alex House, c'est ça. Pour ceux qui ont le pseudo. Il y a peu de gens qui vont l'avoir pseudo, mais c'est Alex House qui m'avait fait mon perso qui fait un clin d'œil. C'est pas une rêve que beaucoup de gens auront, mais... Mais voilà. Non, c'était pas Lisa. On peut vous dire sa date, quoi. C'est une rêve que même à peine les modos pourront l'avoir, pour vous dire. Mais enfin. Tech. Alors, attends. Oh non, mais t'es sérieux? Viens là! J'en ai pas beaucoup, donc je vais peut-être essayer de pas les... Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais faire, c'était du coup une rangée de lumière, donc comme ça. Pour avoir un contour. Ça rend peut-être pas forcément comme je le veux en fait. Enfin, on va voir. Déjà, faut que je me refasse des Celabs. J'en ai remis de mon pré-shot à la 10ème place de MK ou pas? Non, j'en chiale tous les soirs. Donc, je suppose la réponse que t'attendais. Non, peut-être pas en mettre là. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ça, je leur monte d'un. Ma pioche, elle commence à faire la gueule. Hein. C'est la fin. Parce que je voudrais, ce serait faire ça, en fait. Tac. Merci le Doc Tech pour ton deuxième mois. Salut, hey gamer. Mais du coup, faire ça, je me demande si c'est pas trop, en fait. Du coup, on arrive là-dessus. Parce que ça rend bien avec les dalles comme ça. Mais... je sais pas, il y a un truc... Il y a un truc qui me dérange. Genre, ça rend bien comme ça, je trouve. Et je sais pas comment je peux faire les contours bien. Hop. Si on retire ça,
Là, je trouve que ça a une bonne gueule. Hein. Mais. Le problème, c'est que du coup. Enfin, c'est pas un problème, c'est juste que. Pas symétrique, je crois. Si, si, on est. On... Si, si, là, on est bon, là. Là, on est dans la symétrie du truc. Regardez, c'est bon. Ah, oui, c'est que là, faut que je retire ça. Voilà. Là, pour l'instant, on a ça. Mais après, à partir de ça, comment je m'y prends? Bah, en vrai, je pense que du coup, on va faire. Je vais voir si je peux pas m'incruster là-dedans. Hop. Hop. Genre comme ça. Un truc comme ça. Casser ça pour me rendre à peu près compte. Hop. Là, un truc comme ça. Je pense que là on peut faire ça pour attendre un petit peu. Ouais, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Après, du coup, pour les bords, bah du coup, je pense qu'on va rester sur. Parce que, du coup, ça rend bien sur les côtés comme ça. Mais ouais, faudrait que j'arrive à trouver un autre truc. À mettre. Déjà, je pense que ça, on peut le faire. Déjà. Oula. Quoique, non, parce que du coup, ça, tout ça, ça bousille la lumière, en fait. Ça nous donne pas de lumière en bas. Ah, mais ça fait moins agressif que le reste, je trouve. C'est fat. Bah, après, c'est un gros lustre. Hein. Le but, c'est que ça soit un lustre quand même qui éclaire un petit peu. Bon, après, ça éclaire pas ici, donc forcément, faudra qu'on mette des lumières sur les contours. Mais le seul truc, c'est que du coup. Ce truc, c'est qu'en fait, j'aimerais bien que ça touche pas les bords. Sauf que là, du coup, si je fais ça là, ça va toucher le bord. Parce que j'aurais bien aimé faire ça, du coup. En vrai, ça rend bien comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu l'effet lustre qu'on veut. Ah non, ouais. Seul truc chiant, c'est que du coup, ça tâte le bord, quoi. Ça tâte le bord et j'aimerais bien justement que ça tâte pas le bord. Mais là, il est bien, je trouve. Ouais, du coup, si je... Ah mais non, si je fais ça, le problème c'est que ça va me retirer toute la lumière que je peux avoir, donc... Pire pas un lustre, mais intégré au plafond. Bah là c'est bien, puis c'est pas trop bas, parce que le problème c'est que si je fais un bloc plus bas, du coup la lumière elle descendra... Hein? C'est quoi ce bruit? C'est une espèce de... Ça va? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'est que ce? C'est pas un zombie qui devient un drone? Comment ça, Titox? Dans quel sens? Ah oui, c'est ça, c'est un, ouais, c'est un drone. Dans quel sens? Dans le sens où je suis plus chiant quand je suis tout seul? Hein. Ah, ça, sûrement, ouais. C'est quoi les noms des poissons? Ah, bah, fallait être là quand on l'a fait, Gbal. Après, ouais, faudrait. Bah, après, est-ce que ça rendrait bien si je fais ça? Du coup, si on prend ça et qu'on le décale de 1, genre au lieu que ça soit là, du coup ça revienne là. Comme ça, du coup. Hop. Moi, je trouve que ça fait mieux. Je trouve que ça fait largement mieux. Ouais. Quand t'es tout seul, t'es sérieux. Quand t'es avec Pierre, c'est la déconne. Je sais pas si c'est clair. Moi, je suis sérieux là. Eh bah putain. C'est juste que je suis concentré sur mon build. Il y a différence entre être sérieux et être concentré. Mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Ah, j'aime bien comment ça fait, ouais. Vraiment, ça, ça entoure le lustre. Bon, après, faut que je termine le lustre, mais... On va rajouter un, du coup, ouais. Ok. Eh ben, on y veut. On y veut, c'est parti. C'est parti, mon kiki, pour un petit moment de plaisir. Hop là. Tac, et du coup, là... Voilà. Très bien comme ça. Là, le toit, il est bien, je trouve. Et du coup, faut que je pète ça aussi, du coup. Hop. Il manque que ça. Hop. Et hop. Là, on est bien. Là, on a un toit pas mal. Et du coup, ouais, pour le lustre, bah, je pense qu'on est pas trop mal comme ça. Mais je vais peut-être laisser le cock ring comme ça. Mais mettre du bois pour le reste. Garder juste le ring noir au milieu comme ça. Et mettre du bois, Ah, je pense que ça peut rendre bien comme ça. Alors après, petit détail, mais ça du coup je sais pas, donc c'est à vous de me le dire. Est-ce que faire ça, ça vaut le coup? Genre vraiment le lustre, vraiment ça prend tout le plafond. Ou est-ce qu'on laisse cette espèce d'espace? Il ne descend pas un peu. Non, trop. Ouais, vous voulez qu'on laisse le trou? Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Pas besoin d'aller à la ferme à XP pour ma pioche, regardez. Grâce à un tour de magie assez révolutionnaire, j'ai juste à sortir cette shulker, switcher de pioche, et voilà. J'ai une pioche toute propre. C'est pas beau la vie? Après, là, du coup, si on veut fermer, on peut juste faire ça, quoi. Hop. Comme ça, vraiment, on voit pas trop le plafond et on a vraiment cette espèce de limite. Vous voyez ce que je veux dire? On voit un petit peu ce qu'il y a derrière, mais bon, de toute façon, c'est le plafond, donc ça, c'est pas très, très intéressant. C'est mieux que les dalles en dessous et aux extrémités. Là? Là, ouais. Non, mais là, on mettra des trappes d'or. Ça laissera passer la lumière. Je trouve ça cool qu'on puisse voir les chaînes au-dessus du lustre. Bah, moi aussi, ouais. Mais du coup, si on fait ça, en vrai, on les voit, tu vois. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir un bloc entier non plus de vide. Là, au moins, on... C'est juste, ça cache un petit peu le plafond, je trouve. Attendez, je vais le faire en entier. Ah, ouais. Juste ça, en fait, hein. C'est juste mettre un petit bloc là. Pour pas qu'il y ait trop d'espace. Les 4 dalles du dessous, c'était cool aussi. Ouais, mais le problème des dalles, c'est que ça laisse pas passer la lumière. Et le but du lustre, c'est que ça éclaire quand même un petit peu. C'est le souci, quoi. Si on peut appeler ça un souci. Mais faut voir. Voilà. Ouais, un petit truc comme ça. Bon, attendez, faut que je retire l'art abstrait, là. Je pense que le bas, là, on va le laisser normal. Parce que le but, c'est quand même d'éclairer. Et que on va mettre des trapdoors ici, là. Moi, j'aime bien comment ça rend. Avec le plafond en noir au-dessus du lustre, ça pourrait faire ressortir la lumière. Ah, en concrete noir, ouais. Pourquoi pas. Après, je trouve qu'il manque un truc. Ou qu'on pourrait peut-être faire descendre un peu plus... Enfin, peut-être pas descendre, mais rajouter des détails. Non, Nulasien, je ne suis pas ce que font les autres sur Relicum. Comment on peut rendre ça bien? Bon, déjà, on va faire le toit en noir, déjà. C'est pas bait.
Aïe. Essaye 4 trappes en bois en dessous. On va voir. Après, faut voir en quel bois on le fait aussi. Je pense que le mieux, ce serait soit de le faire en bois rouge, soit en... Parce qu'on a du bois rouge sur les côtés aussi. Donc en vrai, ça peut aider un petit peu. Des lanternes suspendues en plus. Les lanternes, on les mettra sur les côtés. Pour éclairer les bords de la map. Enfin, les bords de la salle, pardon. C'est comment le nom pour les chansons ? Point d'exclamation musique. Les trappes violets. Ça n'existe pas les trappes violets, les gars. Va falloir vous calmer. Hein. Va falloir vous calmer avec les trappes violets, ça n'existe pas. Hein. Ah, pour les chansons saturées ? Ah, bah c'est E-Rape, oui. J'avais pas compris, j'avais pas eu sa question en entier. Je suis désolé. Exclamation musique, c'est pour avoir la musique de fond. Mais les musiques saturées, oui, c'est E-Rape. Traduit en français, viol d'oreille, si vous voulez. Noir, on a dit du coup. Là, allô, merci. 3 stacks, 1 diamant. Bon, t'es gentil, mon Ika, mais j'ai besoin qu'un seul. Moi, je pense que le bois. Ah oui, quand vous dites violet, vous parlez du bois rouge en fait. Alors les gars, c'est du rouge hein, quand même. Hein. Enfin, c'est du bordeaux. Ah bah désolé, du violet et du bordeaux, c'est pas pareil, hein. Non mais attendez. Hop là. Aïe. Pourquoi cet portail apparaît bleu ? Mon ressource pack. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé s'ils avaient fait une mise à jour. Faudrait que je regarde. Salut Pilou. Comment est-ce qu'on appelle un boomerang qui ne revient jamais ? Un bâton. Vu que tu ne lances pas un chat, ça peut pas être ça la réponse à Tsokan. Ok. Hop. On va transformer ça. Un frisbee. Oui, sinon. Bordeaux, c'est rouge. Oui. C'est ce que je dis. Je vais faire ce genre de différence. C'est chaud, le bordeaux de violet. Ah, mais ça va. N'en rajoutez pas. Déjà que je suis insolent. Si en plus, vous en mettez aussi. Nous n'allons jamais y arriver. Hop. Hein ? C'est bizarre, j'ai bougé un truc sur mon bureau, mais je savais pas ce que c'était. Tac. Alors. Ça, c'est un bain de soleil ici, par contre. Hein. C'est juste un bain de plaisir, en fait. Juste un petit bain de plaisir. Hop. Pardon. On va peut-être mettre plus de chaînes, non ? Parce qu'on est ça qu'on a. Celle du million, on les voit pas de toute façon. Donc je sais pas pourquoi c'est. J'ai même pas l'intérêt que j'ai à les laisser. Mais bon. Voilà, full noirs. J'ai oublié des slabs ici, tiens. En mettre genre là ici. Voilà. Hop. On le voit pas, mais bon, c'est pas. Ah, déjà le noir ça rend bien, ouais. Chaîne sur les autres côtés, ouais. Bah, du coup, c'est bien là comme ça. Ah, il est bien comme ça, je trouve. Et du coup, voilà, là on met des trapdoors comme ça, du coup, là.
comme on a déjà fait sur les murs. Comme ça, on a le raccord avec les bords. Et puis c'est pas mal. Et on va rester sur cette idée, hein, vous savez quoi. Comme ça, on n'y passe pas 3 heures. En général, on y passe 3 heures pour pas grand chose. Donc on va rester sur cette idée et on va avancer. Paf. Voilà. Ça, j'ai de la réserve. C'est pas un peu trop massif. Bah, c'est le but d'un lustre. Hein. Comment qu'on fait ça du coup? On met là. Non, ça serait mieux sur les... non, ça va être mieux sur les côtés, je pense. Si on les met là. Bah du coup non, parce que là ça sert à rien. C'est les mini carottes. C'est le loup-garou. Bah, peut-être que je trouve d'autres choses à mettre sur les côtés, puisque je n'ai pas assez après la 1.8. Moi, on peut pas faire de dalles ou autre avec des blocs de béton là. Non, on peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. C'est moche. Hein. Bah mon salaud. Bah mon salaud. Je sais pas ce que tu fous sur les cubes. Hein. Bon, ce stream est délétère. Délétère. Fais-le sous le bloc comme avant. Ouais, mais ça rend pas beau. Ça rend pas beau. Et qu'on laisse que celle du dessus. Pas dans les coins. C'est vrai que c'est pas bête ce que j'ai vu. On va chercher du bois rouge. Hein. Paf. Si on tente de mettre des barrières dans les coins. Ça peut... Ah, mais c'est vrai que c'est... du coup, les barrières peuvent aider à cette idée de... à cette idée de chandelier, en fait. Mais... Oh! Tu vas me péter, cette barrière! Merci. Il faut voir comment je peux les raccorder. Hop, faut que je retire ça. Mettez les bâtons du Nether. Les bâtons du Nether. Eh bien. C'est ça qui fait très... il fait très compact, en fait. C'est un peu le problème. Il fait très compact, je trouve, comme chandelier. C'est le seul truc qui me dérange un peu. Ça rend bien si je fais ça. Ça peut rendre bien, ouais. Les N-Rod. Bah, du coup, les bâtons du Nether, les N-Rod, bon. Comment expliquer que dans la réponse en elle-même, enfin, dans le nom en lui-même, il n'y a pas Nether et. Enfin, bon, bref. Ah, si je fais un truc en diagonale comme ça, genre pour le côté chandeliers. Ok.
c'est pas mal comme ça. Est-ce que c'est pas mieux si je fais... Bah du coup, il faudrait que je fasse ça, du coup. Paf. A plus, Ariane. Merci d'être passé. J'aime bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un lustre ou un nid de guêpe? On se tape des méga barres ici. Un peu de dalle. Ah mais c'est pour le faire... Au secours! Ah! J'avoue que ça l'en bas, elles sont pas belles. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc en bas qui me gêne un peu, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. On avait deux médailles noires. Ah, carrément! Après, on peut faire des dalles. Des dalles rouges en vrai, c'est vrai. Si on veut garder cette idée de bois rouge, on peut mettre du bois rouge. Vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse ça du coup? Ah mais le problème c'est qu'on est... Je sais pas, genre c'est... Tu peux essayer les dalles mais tu peux en mettre sur les barrières en bas. Comme ça? Non mais arrête de mettre des... Oh putain, j'en peux plus de cette souris. Ah non. Si ça faisait un espace... Enfin... C'est quand même très fat. Mais c'est un putain de lustre. Normal. C'est un lustre. On fait pas une lampe LED là. On fait un lustre. Vous savez trop fat. Mais vous savez... Mais... Alors. Est-ce que c'est des lustres ou pas? Parce que du coup... C'est ça un lustre, hein. C'est... Un lustre, c'est fat, hein. C'est fat, un lustre, hein. Regarde. Un lustre, c'est aéré. Alors après, on est dans Minecraft, hein. Je tiens à le rappeler qu'on est quand même dans Minecraft, hein. Mais exactement, exactement, Jean-Marie. On est dans Minecraft, après tout, hein. Des trucs fins sur Minecraft. Eh bah putain, j'en aurais entendu des conneries, hein. Salut Yannick. Non, ouais, je pense que ça va. Au pire, je demanderai vite fait des... Ah merde, attends, j'en ai oublié un là. Au pire, je demanderai vite fait des... Un avis à Pierre sur quoi, sur ce qui changerait. Pourquoi pas, mais... Après, je trouve qu'il manque un truc. Enfin, quand tu vois les gens qui rigolent. Bam, le revers. Des escaliers Bordeaux en carré en bas. Ouais, mais ça va niquer la lumière du coup. Ça, le problème, c'est que ça va niquer la lumière, non? La pierre, c'est pas un boule d'or. Oui, enfin, j'ai dit pierre au pif, mais oui. Non. Hop. Ça? Alors, le problème des escaliers comme ça, c'est que. Bah, en fait, faut pas que je mette comme ça en fait. Faut que je mette comme ça. Alors. Comme ça?
Le problème, c'est quoi, du coup, je suis pas sur un. Ça va. Sérieux, The Sipper. Bah, t'étais pas censé être puni pendant 2 semaines ? Non, ça va trop bas. Non, ouais, ça va là, comme ça. Après, bon, ça va en vrai. Ouais, ça va. Après, le mieux, est-ce que ce serait pas plutôt d'inverser ça et ça, du coup ? Est-ce que ce serait pas mieux d'inverser ? J'aime bien les murs. Merci, c'est pas moi qui ai eu l'idée des murs, mais du coup, ça me console sur le fait que ben, je suis dégueulasse en build. Essaye avec des vitres plutôt que du bois. Eh ben, y a pas de médaille en vitre. C'est ça le problème. Autant toi, tu peux le faire, les escaliers sont en carré. Mais non, mais on peut pas. Pour faire les escaliers en carré, on ne peut pas. Ah, si je fais ça, peut-être. Ça. Ah! My bad. Ah! Pardon. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça réellement. Pas vous mentir. C'est le meilleur. Merci, j'ai réussi à faire un carré. Let's go. Merci bien. Je trouve ça un peu trop nether slash noir comme ça là. Enfin, c'est que mon avis. Mais c'est le thème du musée. Après, on arrive dans la salle des villageois. Bon, j'ai toujours pas fait l'éclairage en haut. Hein. Qui est très blanche, puisque du coup, c'est les villageois. Donc c'est le côté sain. Mais après, oui. C'est le but hein, que... Non, en vrai, le lustre, il rend bien. Hein. Quand on arrive de loin, je trouve qu'il rend bien le lustre. Hein. Ouais, tu passes en dessous, machin, bam, les petits poissons. Non, je trouve ça, c'est bien, en vrai. Je trouve que c'est bien comme ça. Change de bois autour de l'aquarium pour du bois violet. Non, non, ça, je vais le garder comme ça rend bien. C'est un beau mélange avec le spruce, parce qu'on a du spruce partout. J'ai initialisé mon iPad. Un iPad qu'on avait cassé pour plus oublier le code. Ah. Non, il rend bien le lustre comme ça. Il fait un peu massif, je suis d'accord avec vous, mais de toute façon. Voilà. Hein. On peut pas faire autrement. Hein. On l'appelle comment ? Bah, je l'appelais Bernard. Bernard le lustre. C'est pas la pièce maîtresse du musée, donc voilà. Donc ça, c'est que là, ça c'est que le la salle merde. Comment ça s'appelle déjà? Merde. Merde, bah, j'ai plus. Putain, ça rend fou. Mais y a ceux qui vont se coucher. Ça rend fou de perdre des mots comme ça. Le hub, oui, le hub, le lobby slash lobby, l'accueil, voilà, c'est ça, l'accueil, on va dire ça. T'arrives là-dedans et puis après tu t'as juste à partir à droite ou à gauche ou au milieu pour voir les têtes. Hein. C'est juste un lustre qui est là, bon voilà, pour décorer. Mais... Alors attends. Est-ce que si on faisait ça en plus ? Non. Alors je voulais essayer. Une bonne nuit de sommeil en général, ça fait du bien à la tête. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, si je les ai encore ici, je suis pas sûr de les avoir ici, malheureusement, c'est du coup mettre des lanternes, genre à certains recoins. Genre, pas là par exemple, si on se met peut-être là, genre un ici. Et genre un là. Pourquoi pas. J'ai plus mes lanternes bleues malheureusement. Et ce qu'on peut faire justement, c'est utiliser des blocs comme ça, les blocs polished. Polished. Pour mettre les lanternes. En vrai, ça fait 2 semaines que je dors que 2 heures. Ah, va falloir... Va falloir dormir. Hein. Rip les pubs. Eh ben, à toutes. À toutes après les pubs. Voilà, on garde un truc comme ça, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Donc,
là. Et là. 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 Ouais. J'ai commencé à avoir un doute. Tac. Hop. Et du coup, ouais, est-ce que... Après, le mieux serait pas mieux de mettre des... Enfin, ce serait pas mieux de mettre des lanternes... Parce que les bleus, c'est bien, mais... Je sais pas. Après, est-ce que je dois les descendre un petit peu, ou est-ce que à cette hauteur-là, ça va? Bon, ça va à cette hauteur-là, ouais. C'est bien comme ça, non? J'aime bien, moi. Ouais, ça rend bien. C'est pas symétrique. La salle, non? Il y a plus d'espace par là que par là. C'est bon, les blocs sont bien. Tes deux derniers blocs sont pas bien posés. Et comment ça, ils sont pas bien posés? Ah! Oui, d'accord. Ah, c'est pas mes deux derniers qui sont mal posés du coup. C'est ceux-là. Là, c'est celui-là. Hop. Mais... Putain. J'en peux plus. Là, voilà. Comme ça, on a de l'éclairage au mur, on a de l'éclairage au plafond, mais partout. C'est bien comme ça. Je vais aller chercher des lanternes. Ouais, moi je vais. Eh ben on est reparti pour dépenser de la thune. Yes! C'est là quoi? Je vois, des lanternes ne sont pas symétriques. Mais du coup, les blocs que je pose. Oui, mais. Si les lanternes c'était pas symétrique, les blocs non plus, puisque je les pose sur le... Enfin, je suppose. Ils sont un plus près du lustre que celles des autres. Commencer à me faire douter de ma vue. Mais une chaîne puis la lanterne, ça ferait relief, ça serait sympa. Ah mais ça ferait pas trop bas? Salut Blantine. Bah ça va, écoute, ça va hein. Tranquillou, tranquillou, eh. Je crois que c'est la déco qu'en vendent. Si je dis pas de bêtises. Dis-je des bêtises? Probablement. Hop. Là. Après, la question, c'est... Non, je pense qu'on va rester sur les lanternes classiques. Les lanternes bleues, elles sont bien, mais en vrai, ça ferait trop contraste. Vu qu'on a une salle qui est plus dans les tons rouge et noir, mettre des lanternes bleues, ça ferait trop de contraste, ça rendrait pas bien. A plus, Bonnie. Salut, Water. Salut, salut. Hop là. Ça combien quand on donne 100 bits? 1 euro. 100 bits égale 1 euro. Et on reçoit les 1 euro entièrement. Le truc le plus rentable et le plus... Enfin... Ouais, si, le truc le plus rentable et le meilleur rapport qui a été pris, ça reste... Enfin, qui a été pris, c'est-à-dire... Le truc qui nous rapporte le plus par rapport à ce que vous dépensez, vous, c'est les bits. Vu que les subs, ben, c'est 50% Twitch, 50% nous.
Attends quoi? Ah oui, c'est trop près, d'accord. Attends, mais what? Ah donc faut que ça soit là en fait. Là. Et ça, faut que ça soit. Hein? Attends. Ah oui, c'est ça, 1, 2, 3. Ok. Ouais. Ok, ok. C'est bon. J'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Tout va bien. Tout va bien, c'est bon, j'ai compris. Après, le problème, c'est que si on met une chaîne plus la lanterne. Ah, ça rend mieux en vrai, non? Vas-y. Vu qu'on cherche à. Et toi, du coup, c'est 1, 2, 3 de celui-là. 1, 2, 3, là. Non. Non, là, pardon. Voilà. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bonne nuit à vous, bonne nuit. Bon courage pour demain. Ah, après, ça fait peut-être un peu trop avec la chaîne. Hein. Préférez quoi du coup? Avec la chaîne ou sans chaîne hein? Et dont Twitch, j'en récupère combien? Quand vous achetez des bits, vous payez 20% de plus. Donc, par exemple, si vous prenez. Je prends le truc large, mais pour vous compreniez, si vous prenez 100 balles de bits, vous allez payer 120, en gros. Ouais, comme ça, c'est mieux. Après, qu'est-ce qu'on pourra rajouter au plafond pour faire un petit peu de détails? Est-ce que ce serait pas trop mal qu'on fasse un espèce d'arc de cercle, un truc comme ça, qui part sur les bords? En random, c'est pas beau, non. Une demi-chaîne. Je trouve que ça rend bien avec les petits détails comme ça, c'est pas mal. Ça fait bien avec, mais il y a trop de lanternes. De toute façon, c'est pareil, mais c'est pour éclairer les bords. Hein. Pour les croquettes au foie gras, la truffe. Ah bah putain. Des croquettes au poulet, ça va très bien pour elle. Donc, merci beaucoup. Bonne nuit, Naruto. Salutomi. Naruto. Bah écoute, on est bien. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était peut-être un truc. Genre, attends. Genre, peut-être comme ça. Comme ça. Non, du coup, non, pas ça. Attendez, je fais de l'art abstrait, hein. Que j'ai fait là, je peux pas le faire là-bas en fait. Si je fais ça, il faudrait que je le fasse là comme ça. Je tente des choses, hein. Paniquez pas. Je tente des choses. Qui me dérange. Pourquoi les trois triangles avec le 3 à côté de mon pseudo? C'est-à-dire que t'es la troisième personne qui a donné le plus de bits ce mois-ci. Tout simplement. De toute façon, en fait, je peux pas faire comme je le pense, en fait. Ou alors, il faudrait que je décale là. Comme ça, là et là. Après, on fait un raccord à deux comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. C'est un petit rajout à la con, mais j'aime bien. Ouais, mais du coup, là, je peux pas le faire. C'est bien le problème. C'est que je peux le faire seulement là-bas. C'est que ça rajoute un petit peu de détails, mais du coup là ça rentre. Mais là-bas ça va pas rentrer. Parce que ici il y a que deux d'écart. Donc il faudrait que je trouve un truc peut-être plus par là comme ça.
je tente des trucs. Après, ça, après je pense que ça peut rendre bien ici des deux côtés. Genre c'est pas dérangeant. Mais je peux pas le faire ailleurs après. Je peux le faire que là quoi. Un truc comme ça, paf. Le truc c'est que je peux pas le faire ici quoi. J'ai l'habitude d'avoir des idées qui finissent par rendre cool à la fin, donc je regarde avec attention. Bon, pff. Écoute, j'essaye, mais... Après, ici, au pire, on peut... Je sais pas, on peut juste faire ça, hein, ça c'est pas bête. Hein. C'est juste que bon, c'est... Ça n'a pas de logique avec ce qu'il y a en face, mais bon. Puis, au pire, les gens vont pas regarder ces détails-là. Hein. Salueuse de PC. Mets des escaliers pour faire des petits trous dans le plafond, ça fera des moulures. Non, ça ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que j'aime bien le côté lisse en fait. J'aime pas trop. Les trous comme ça, bah, c'est Bazon qui me les a donné mais, comme idée, mais je préfère le côté lisse. A plus de si peur. Le centrage, je le trouve magnifique. Ça, bah merci. Il existe. Et, le plus important, c'est qu'il faut se dire que c'est qu'il existe. Non mais ouais c'est pas trop mal hein, comme ça. Lisse comme les fesses d'un bébé. Oui si tu veux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ici? Peut-être juste ça en fait. Merci beaucoup Islumina pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais comme ça c'est bien, j'aime bien. C'est plus simple. Ah j'aime bien comme ça ouais. Est-ce que faire ça, ça rajoute ou c'est trop? Ouais non, je peux pas. Hop. C'est bien, ça rajoute des petits détails au plafond. Après là, par exemple dans cet espace-là, j'ai un petit trou. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit truc genre comme ça? Oula. Non. Non, peut-être pas autant, genre comme ça peut-être. Hop. C'est histoire d'ajouter des détails ici et là, mais bon, ça rajoute pas grand chose. Si on le reprend là, comme ça, peut-être. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Après, du coup, on peut reprendre, du coup, ça ici. Après, faut voir comment je peux raccorder les deux. Est-ce le gris c'est bien aussi? Ouais non mais le gris il reste hein. C'est juste qu'on rajoute des détails ici et là. Paf. Comme ça. Attends, paf. Ben ouais j'aime bien. Oh, ça fait un petit raccord à la con. Voire même juste ça en fait. Hop. Non, là non. Là non. On va rester là-dessus. Non, j'aime bien comme ça. On apprend la symétrie. Ça va les gars. Oui, c'est vrai que vous êtes tous parfaits, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié sur internet. Sur internet, les gens sont parfaits. Ne font jamais d'erreur. C'est vrai. Mon mauvais, bah attendez, excusez-moi. Excusez-moi les mathématiciens. J'avais zappé cette info. Hop. Comme ça, on a le raccord ici. Et du coup, on peut refaire le 1, 2.
Tac, 1, 2. Mais non, mais. Putain. Je vais reboucher le même bloc, c'est pas grave. Hop. Ah, j'aime bien. Non, c'est fou, on n'est pas parfait. Oh, tu sais. Les gens pour abaisser quelqu'un, t'inquiète pas, qu'ils sont prêts à être parfaits. Hein. Ça, oh là là. Hop. Oh, ça rajoutera un petit peu d'effet. C'est what the fuck, mais stylé. Ah, c'est le but, hein. Le but, c'est que tu regardes ça, que tu vomisses, tu dis, mais qu'est-ce que tu branles. Après, tu dises, bon, ça va, ça passe. Ah oui, c'est pas incroyable, ça, je le sais, hein, mais bon. On tente des trucs. Ah, ça fait des petits... Ça sert à rien, mais c'est là. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Quoique c'est moche ce que je fais. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, bah écoutez, on a une salle de terminée. Enfin, on a deux salles de terminée, parce qu'on a terminé celle-là aussi. On a l'entrée qui est prête. Bon, c'est bien. Maintenant, il faudra qu'on se... Je sais pas, quelle heure. Même pas 23h. Ah, putain, je vais couper tôt pour une fois. Parce qu'en vrai, je pense que là, on est bon. Ah, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire tout le contour en Blackstone, en bas, là. Avec un shader, ça doit être super stylé. J'ai un shader sur ce truc. Ah, j'ai Chocapic et le Nostalgia, ouais. On peut voir. Non, il est 17h. Oui, pour les Québécois, oui. Il est pas ouf, hein, ce shader, mais... Ah, ça fait quelque chose, hein. C'est vrai que ça pète un peu les yeux. Peut-être mettre le BSL et iront mieux, je pense. Parce que celui-là, il est un peu bizarre, le Nostalgia. C'est vrai que ça pète un peu les yeux. Hein. Mais bon, c'est de la lumière en même temps. Hein. Moi, je pense que si je regarde là-dedans et que je retire... c'est quoi le Hall Lightning? Ouais, bah, on va activer. Surtout que j'ai pas vu les strips, tu peux remonter la salle des villageois. Oui, 2 secondes. Comme tu peux voir, je suis occupé actuellement. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. Alors, du coup, la salle des villageois. Vous voyez, par contre, la salle des villageois, ça manque de lumière. Donc, il va falloir que j'en mette au plafond. Du coup, la salle des villageois, bon bah. C'est, pour l'instant, c'est les têtes de Vartak. Hein, parce que, bon, j'attends avant de les mettre. Ah putain, on voit la lumière derrière. C'est pas grave. Donc, hop. Hop. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est vrai. Tac. Putain, c'est vrai que les feuilles, elles bougent avec les shaders. C'est assez étrange, mais ça existe. Là, on va au côté zombie. Enfin, au côté, oui, côté zombifié, ouais. C'est un chauve. Sinon, mettre un faux ciel pour les villageois. Ah mais non, mais ça, non, non, ça le faux ciel, non. Non, mais je mettrais peut-être des trucs, peut-être des N-Rod ici et là. Non, mais c'est vrai que la salle, elle rend bien, là. Ça va, les poissons sans cerveau? Et chaussures. Oh, ils ont la bouche qui bouge. Incroyable. Au revoir. C'est le jour d'une existence. Hein? Comment ça? Hop. Ça recommence, t'enlèves les torches. J'en sais rien, mais... Les torches, je trouve, ça rend bien pour... Les torches, ça rend bien pour le côté villageois. Je pense que je vais les laisser. Enfin, il y en a certains endroits où il n'y a pas trop de torches, mais... Non, j'aime bien comme ça. Ça recommence, t'enlèves la déco. Il commence à m'emmerder. Commencer à m'emmerder. Alors. Bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'on bouge tout ça, là. Ça serait bien.
c'est pas que ça prend de la place, mais... Faut mettre un golem, hein. Non. Ici. Ah merde. Non, ça, ça faut pas la poser. Hop. Voilà. Voilà, on va tout ranger là. Et les coffres, bah mon salaud, écoute, m'emmerde un peu. Hein. Oh non, zut! J'ai fait tomber les affaires. Oh non, zut! On va, hop, ah, attends, faut que je récupère les coffres. Je crois que je les ai passés les coffres. Ouais, ils sont là. Ah, je suis très maladroit, vous savez, oh là là. C'est compliqué d'être maladroit dans la vie. Oh là là. La maladroitesse. C'est compliqué. Hop. Il y a de la backstone dedans. Ah merde, ça par contre. Ça par contre, je n'ai pas le droit. Hop. C'est histoire de dégager ça du couloir. Ah, il n'y a plus de place. Il faut que j'en fasse un coffre, je crois. Hop là. Est-ce qu'il faut que j'en fasse un coffre? Oui. Ah, j'ai le cœur de stone. Alors peut-être... Hop là. Voilà. C'est bon, on a la place. Ok. Donc le tunnel dégagé, il ressemble à ça. Hop. Comment on va pouvoir accorder ça? Déjà, ce qu'on peut faire, un truc tout con, je pense. Pour faire la bonne séparation. C'est de faire ça. Hop. Oula. Quelle puissance dans la pioche. Hop. Faire ça pour arrêter le tapis rouge. Après, faire la transition. Et du coup, remettre du bois blanc là-bas pour faire la transition entre les salles. Tu as laissé brûler le tunnel. Mais attendez, on est en train de le faire, bordel de cul. Attendez deux secondes. Attendez. Les idées vont venir au fur et à mesure, mais moi, vous savez que je fais ça... Je fais ça sur le pouce. Hop. Ouais, comme ça, hop, on a la séparation. Et du coup, ici, il faudrait que je trouve un truc qui pourrait rendre bien. Mettre comme bloc qui peut rendre bien. Déjà ici. Oula. Déjà ici, on va mettre des demi-dalles. Ouais, c'est des demi-dalles. Ouais. Voilà. Ah, un aquarium qui fait office d'arche. Mais vous commencez à m'emmerder. On a déjà un aquarium. Putain, vous reprenez pas les idées qu'on a déjà fait. Oups. Toujours pareil la jeunesse sur Twitch. Hein. Ah déjà ce qu'on peut faire c'est que... Là. Hop, si on regarde la même idée. Hop. On ferme ça comme ce. Voilà. Voilà. Là, là, je pense qu'on peut faire truc à la con. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est que en lumière, on peut mettre des redstone lamps ou de la. Oh, ou des lampes. Bah, les cylanternes, j'en ai plein. Donc, autant servir de la cylanterne.
Tu creuses jusqu'à la bedrock entre deux salles et tu fais un jump. Peut-être arrêter de vous lire, hein, je pense, ce soir. Je pense que je vais continuer dans mon coin. Hein. Parler entre vous, mais je vais arrêter de vous lire, je crois. Apparemment, les cours, ça vous détermine le cerveau. Hop. Juste ça. Et du coup... Peut-être plus ça pour le sol du coup. Comme ça, et du coup, pour le plafond, bah plafond peut-être pareil en vrai. Après, sur les côtés... Alors déjà, truc tout con qu'on peut faire pour les lumières, si j'en ai pas assez. Hop. C'est exactement ça, Luna. C'est exactement ça. Après, le seul problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que ici, du coup, on peut pas trop vraiment passer, donc on va peut-être faire ça. Non. Non, là, on va mettre des blocs. Classico del Madrido. Quoique. Alors, je pense qu'il faut qu'on parte sur des slabs. Oui, les dalles au... ça c'est dalle au centre, mais oui, ça c'était prévu, mais je pensais par rapport au bord là. Oh, j'aime bien comme ça en vrai, ça rend bien. Oh, c'est bien, non, j'aime bien. Oula. Par contre, les murs. Par contre, les murs. Demi-dalle. Bah oui. Les murs, je sais pas quoi mettre. Parce qu'après, j'ai que j'ai ça en bas, mais c'est pas obligatoire en vrai. Hop. Hop. Voilà, faut se dire qu'on a ça. Ah bon, un truc qu'on peut faire tout con, c'est que au milieu là, on peut mettre un tableau. En vrai, on peut mettre des tableaux de chaque côté. Ça peut être pas mal. Mais après, pour les murs en eux-mêmes... Terracotta blanche. Alors c'est vrai que la terracotta blanche, du coup, c'est plus beige. Le problème, c'est qu'on en a en fait déjà là, sur le côté. Tac. On peut faire ça, par exemple. Hop. Hop. Et là on mettra les tableaux. Après il y a des tableaux en 6 blocs comme ça. Ah, j'ai pas gardé de tableau quand Pierre est venu m'en foutre partout. Ah zut, je les ai tous cramés. Dommage. J'ai pas d'autres laines. Hein. Bah non. Dommage. On va sortir, tabasse un petit truc et puis voilà. C'est avec du bois, avec des sticks, je me souviens plus.
ça que les sticks. Hein. Arrête de mettre les grands. Bon. Faut que je bloque, je suppose. Ah non, c'est que des, y a que des par 4, y a pas des par 6. Il est 1.12, les tableaux prennent toute la place possible. Bah pourtant y en a de la place là. Hein. Y'a pas par 6. Ah bah c'est ça que je demandais tout à l'heure. Bah du coup, ouais. Mon idée tombe à l'eau en fait. Plouf. Ou alors, bon, au pire on va pas se faire chier. On va mettre le mur blanc comme ça, mais juste en haut et en bas il me faut un truc raccord. On va pas s'amuser à mettre des planches, parce que bon, si on a des planches en haut, en bas et sur les bords, bon... un peu trop quoi. C'est que 1, 2, 4, 8 et 16, ah, c'est ça. Hein. Vraiment, la plupart des messages que vous mettez, vraiment vous me dépitez, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Vous me dépitez. Hein. Hop. Ça fait trop uni. C'est le Mega Tiger. On va voir, hein, mais... on peut peut-être trouver un truc à mettre au milieu, ouais. Quand même. On peut mettre des biblios, pourquoi pas, ouais. Ouais, les biblios, ça peut rendre bien. Trop carré avec le sol et le plafond. Bon, ouais, ça va. Faudrait juste qu'on trouve un truc à mettre au milieu pour... terracotta grise, on en a déjà ici en fait. Donc ça va juste tuer le raccord. Tableau creusé dans le mur. Mais non, mais c'est pas le problème. Le tableau, c'est qu'on n'a pas la bonne taille. Ça pourrait ne pas être bête, mais le problème, c'est que du coup, on a ça quoi. Bah sinon, je fais double de tableau de chaque côté, mais bon, c'est pas beau quoi. Alors, je fais que ça. Je fais que des tableaux comme ça, et puis on met des bibliothèques de chaque côté. J'en ai pas ici. Hein. Ah, la glaze. Ah non, c'est dégueulasse la glaze. La glaze terracotta, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est un style qui me plaît pas du tout. Ah, les bibliothèques, elles sont pas avancées dans le mur, justement. Rappelez-vous que de l'autre côté que chaque bord du tunnel, il y a les pièces des villageois. Enfin, il y a les cases des villageois, donc je peux pas. Alors, tout a été vendu? Non, très bien. Putain, mais vraiment, par contre, Pierre, mais faut que tu mettes un putain de Ender Chest là-dedans. Hein. Insupportable, hein. Voilà. Hop.
Là, il se passe mieux sur les gros bâtiments. Ouais, sur les gros bâtiments ou si tu fais des sols. Moi, en fait, je trouve que la glace, ça fait bien pour les sols. Pour faire des sols, des gros sols de bâtiments. Ouais, des bâtiments. Des gros bâtiments de Richou, là. Salut, Pure Games. Démurer sinon pour donner un petit truc. Ouais, mais je peux pas décorer le fond. Dites-vous bien que ce tunnel-là, je ne peux pas décorer le fond. On a que un d'espace. Enfin, on a que un de possibilités. Je peux pas, genre, mettre un fond spécial et mettre des barrières. Ou des murets. Tu as changé la tâche de ta main de sens. Oui. On peut le faire sur Minecraft, donc... pourquoi se priver ? Salut, Bordeaux. Salut, Nathan. Est-ce qu'on fait ça ? Ça fait très bizarre quand même. Le problème c'est que je peux pas. Parce que de l'autre côté, vous voyez, regardez, il y a deux d'espace, mais de l'autre côté, il y a ça en fait. Du coup, bon. Tableau pas enfoncé. Ouais, sinon pas enfoncé, oui, c'est vrai. Oui, j'ai oublié. My bad, j'ai oublié. Oh, j'aime bien comme ça. Allez, vendu. Je vais aller chercher de la laine. Bon, l'avantage, c'est que la laine, j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin. Après, il fait nuit. On va passer la nuit, hein. Des barrières en chaîne slash prusse pour, à place des bibliothèques. Comme je viens de l'expliquer, je n'ai pas de dos de profondeur. Donc si je mets des barrières ou quoi, on va voir le fond. Et le fond n'est pas forcément très beau. Ou pas forcément uni. Donc non. Pour la troisième fois, non. Petit mouton. Y'a qui sur le serve? Bah y'a que moi. Putain, y'a que moi. Ah ouais, merde. Ils sont tous partis sur le créatif. Salut le grand Guillaume. Salut Farkos. Des murs sont un total type de matériaux à la place de bibliothèque. Oui, non, mais ça, on verra pour les autres tunnels. Mais pour ce tunnel-là, non, il faut que je reste sur ce... Je dois rester sur cette idée-là, j'ai pas le choix, en fait. Malheureusement. Merde, c'est des sticks qu'il faut. Chut. Hop. Et là, du coup... Ouais. Ça va. Ça va, c'est sympa. Sympathique. C'est vrai que le sol est très uni, mais bon, c'est très bien comme ça. Salut, je sais pas. C'est quoi j'adore avec les murailles? C'est c'est une construction de mince. Le wisher du serveur mince, comment qu'il s'appelle? J'ai oublié son pseudo, je vais le chercher. Laissez-moi le chercher vite fait. Putain, mais quel enfer. Ouais, ça va me revenir. Ouais. Boboon, voilà. De The Boon, voilà. C'est une construction de The Boon sur le thème de Attack on Titans. Sumimasen. Ok. Non, mais c'est bien comme ça, je trouve. La transition est pas mal. Cette salle, vraiment, cette salle, j'aime beaucoup. Elle n'a rien de particulier, mais je la trouve bien. Et du coup, ici, bah, on va faire à peu près le même délire. Mais du coup, là on change de thème. Là, on change pas de thème. Donc, en vrai, déjà pour le tunnel, ça va pas être très complexe. C'est-à-dire qu'on va
reprendre la Blackstone ici. Blackstone, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, là, on peut peut-être... qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Comme petite déco ici. Genre pour le plafond déjà, on va pas se faire chier, ouais. On va juste faire ça. Voilà. Et là par contre, salut Didou. Pour reprendre le style qu'on a sur les murs là, on peut peut-être faire ça en fait. En fait, on va faire juste ça en fait. Qu'on se fait chier. On va juste reprendre les escaliers rouges et puis. Et puis les murets. Dans quel shulker j'ai mis les murets ? Là ! Et là ! Salut Kilos. Ah, excuse-moi, je peux pas tout voir sur le chat, malheureusement. Après, j'avoue, je fais exprès, j'avoue. J'avoue, si je peux ne pas vous voir, j'avoue que c'est mieux pour moi. J'avoue. Ça, c'est bon, j'ai assumé. Voilà. Les petits murets. Voilà. Comme ça, on garde le même style que... Regardez, en plus... Et en plus, regardez, bam ! Symmetrix ! Jeff, je suis un traître. Ouais, non, mais écoute. À l'habitude, maintenant. Hein. Je pense que ça, par exemple, on peut le tenir sur tout le tunnel. Cette espèce de raccord en Blackstone, là, on peut le tenir sur tout le tunnel. Là, pareil, hein, hop. Arche en Blackstone. Oui ? Y'a quelqu'un ? Ah oui, la vache. Apparemment, ouais, y'a quelqu'un. Hein. Je crois que je travaillais. Oui, tu travaillais en regardant Fukano, c'est ça ? Avoue-le ! Salaud, Philippe ! Attendez, je vais garder ça. Hein. Bah non du coup. Hop. Parce que je me dis qu'avec ça en vrai... On peut... Non, je sais pas du coup. Ouais. Faire des petits détails comme ça. Par exemple là. On peut mettre ça à la place. Ça rajoute du détail. Et du relief. Enfin c'est vraiment des petits détails qui se voient pas trop. Hein. Est-ce que c'est de la traîtrise ? Bah, travailler en regardant quelqu'un d'autre ? Ouais, en fait ! Tu pourrais travailler en restant ici ! Salaud ! Hop, à chaque Rockwing. Hop. Un devant l'escalier. Peut-être un peu abusé, là, non ? Que j'ai fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. Paf. Paf. Du détail. Et tu es juste en fond car je l'ai mis dès qu'il a lancé. À 20h, j'ai pas switch tellement j'étais absorbé par la mise en place d'un formulaire qui envoie un mail sur ma page internet. Waouh. Sorry, dude.
T'as un site de quoi, Kilaos? Qui est-ce que t'arnaques sur internet? Ah, mais il manque les escaliers ici, bordel! J'avais jamais fait gaffe. J'avais jamais fait gaffe qu'il manquait les escaliers de l'autre côté. Pour plus de détails. Les details! J'ai oublié de faire les petits escaliers ici. Paf, paf. Paf, paf. Et bah voilà. Ah, qui manquait ça. Un site de Weeb. Ah bah ça, oui. Ça, bizarrement, je suis pas étonné, tiens. Ah, ils sont partout, ces Weebs. On ne peut plus rien faire sans entendre un Weebs. Ah bah écoute, on est bien. Il reste que ça du coup. Mais ça du coup je vais faire dans le thème dans le thème du mur qu'on fera ici. Parce que pour l'instant j'ai pas encore d'idée par rapport à ce mur. Donc je vais laisser ça de côté pour plus tard. De toute façon là je voulais couper vers 23h30. Il est 23h24. Donc on est dans les temps, c'est très bien. C'est Victor Fett. Bah ça avance, bah écoute ouais hein, on a bien avancé. On est bien, on est bien. En BTS on doit faire un site sur un thème libre, donc je me suis quoi, je suis parti sur un jeu de rôle type Dungeon et Dragon, alors quoi, alors que des gens de la classe alcool animé Civ 6, un site Civ 6. Eh ben oui, encore je suis pas allé dans les autres salles pour savoir le reste. Ah bah ça, ah bah ça. Ouais, bon écoutez, on va laisser ça de côté. J'aurais fait ce qu'il faut. Bienvenue les Asiens pour t'assembler une nouvelle fois. Non, bah écoutez, on est pas mal du tout. Ça ressemble à quelque chose, enfin, c'est bien. Il nous restera du coup. En décoration, il nous reste tout le grand tunnel à faire, enfin, tout le grand couloir à faire. Ça, je sais pas comment on va faire, mais il faudra qu'on trouve un thème. On retrouvera un petit thème sympa. Il me reste toutes les salles à faire une par une. Donc on en a encore pour 3 mois minimum. Let's go. Let's go, let's go. Au moins on aura de quoi faire pendant quelques streams encore. Nice. Hop.